capable d'enlever mes lunettes. Oui. Ouais. Franchement, oui. Parce que ces lunettes, c'est devenu votre marque de fabrique, vous en avez 50. Vous dites que justement, ça vous permet de ne pas être reconnu quand vous êtes sans lunettes. Et pareil, des fois, vous faites des trucs de fou dans les concerts, si vous mettez une veste orange, vous enlevez vos lunettes et vous allez voir le public. Je me change en. C'est la sécu, quoi. Je me change en sécu. C'était vous et, non, mais vraiment, c'est très, très drôle, super drôle à voir. Et, donc les mecs vous demandent où sont les toilettes, s'il vous plaît. Exactement. Ils le demandent à Maître Gims, quoi. Ouais. Exactement. Ah ouais, c'est rigolo. Ils vous reconnaissent pas. Ils reconnaissent pas. Parce que déjà, tu te dis que c'est impossible. Ben ouais, le mec, c'est pas possible. Oui, mais maintenant que vous le dites, peut-être qu'ils vont regarder. Maintenant, ouais, je l'ai dit. Tous les mecs de la sécu vont dire c'est toi, c'est Bims, alors que le mec, ça sera pas vous. Ils vont se mettre devant les gars de la sécu. Alors, chante pour voir. Et alors, vous dites les lunettes, c'était comme ça au départ, mais que vous n'avez pas de problème de vue et que vous avez un peu peur parce que vous dites c'est sombre quand même. Ah oui. Vous avez peur que ça vous abîme les yeux. Je suis souvent sans. Hein. Ouais. Attention. Ouais. Non, vous êtes chez vous, vous êtes sans, mais quand même, vous dites c'est un. Il y a des rumeurs comme quoi je me douche avec, je dors avec. Ouais, ouais, il y a des sacrés. Mais c'est pas dangereux pour la vue d'avoir tout en lunettes. Je sais pas, justement, je pense, hein, quand même. Ah, vous avez pas été voir un ophtalmo? Non. Alors mais moi, je vous.